Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Elite. En fait, gros opération qui s'est faite là dans le domaine médical, mes amis, c'est vraiment un gros exploit. Nous allons voir tout le détail sur lui. Mais pas oublier si tu as passé bon ici la première fois, justement. Songez ça pour poser le bouton subscribe en bas pour capable de connecter avec nous. En fait, opération ça qui fait sur un monde, en fait, un homme qui gagne n'importe 57 ans, qui s'allie. C'est en fait une qui était dans sanitaire terminal heart disease, donc il dit qu'elle pas de quelqu'un mais encore c'est mourir ta pas mourir. Et bien yo fait là ça t'a dit premier transplantation de cœur cochon que yo génétiquement modifié. Comprenez bien avancer ça, c'est que en pile monde pour sauver la vie yo, bien souvent pas gain l'autre choix, c'est transplantation. Ça veut dire remplacer un organe que le gain qui pas fonctionner par un autre. Et faut clair que nous sommes en pile chance parce que je veux un organe d'abord, faut joindre un corps qui compatible, faut t'attendre. Est-ce qu'il y a un monde qui mourir fort et ça veut les donneurs est difficile, gain monde qui compte des années à attendre un organe qui pas arriver joindre ni qui mourir. Donc en ce sens, il tourner vers organe animal. Et ça que vous faites là, c'est une grande première, eh bien c'est cœur d'un cochon. Vous bien dit, les vous prenez un cochon, vous faites des modifications génétiques et vous transplantez dans le corps monsieur Saka vive dans Maryland qui gagne 57 ans. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, dans le moment où on a parlé là, monsieur gagne 3 jours, l'a vive bien. Après que le téfine recevoir, eh bien, cœur de cochon, ça a été modifié pour la première fois ces genres d'opérations de transplantation. L'Université de Maryland Medicine dit que c'est une grosse découverte, c'est une grosse release, c'est un gros succès, c'est une grande réalisation, ça se passe là. David Bennett, et c'est un monsieur qui était dans sa sanitaire terminal heart disease, maladie de cœur. Dans sens terminal et aller parler et cœur cochon c'était dans moment celle qui était disponible pour option ça d'après ça et monsieur en parlant de Bennett li pat éligible pour ça n'ta relé à transplant conventionnel ou bien artificiel pompe après l'été ouais review médical parce que ça vous comprendre là. C'est vrai que nous parlons de transplantation. Mais bon, il y a une fois, suivant mon nom, dans le cas monsieur a bien, il a montré que, d'après analyse et colis, transplantation de conventionnel de l'autre cœur, pas tap kakembe, il tap mourir ou bien artificiel, il pas tap kakembe. Donc, il y a deux possibilités, c'est soit monsieur mourir ou bien il a essayé transplantation. Il dit monsieur, pas de rien à peine. Donc, c'est pas fait, il n'y a pas le monde. Donc, monsieur qui devait vivre, ok, et monsieur d'accord pour le faire. C'était dernier choix avant opération. Et US Food Drug Administration l'été by autorisation, ça n'est rien, emergency autorisation. Parce que normalement, c'est mon bail qu'on fait, mais on dit qu'on va t'en abdi là. Son autorisation, emergency, mais les autres mouns, ou pas pour un cochon pour mettre son monde, sont comme s'il est illégal, pour nous comprendre bien, parce que c'est une grande première. Son bagay que CDC et US Food Drug Administration t'es obligé d'intervenir pour dire ok moi ben non de manière tout à fait spéciale autorisation pour être capable de faire ça. Donc t'es bien trois gènes qui t'es responsable réjection de organes pig par et système immunodéficience et qui ont été retirés comme donneur et t'es bien un gène qui ont été retirés pour t'empêcher et ça n'a rien excessif pig tissu qui était là-dedans, gain 6 human gene qui était responsable de human acceptable qui était inséré là-dedans. Donc son recommandé faire là son bonne modification au niveau de gène. Et donc quand t'avais dit dans moment là, docteur il va gain pour monitorer monsieur jour après jour, semaine après semaine pour voir est-ce que transplantation a travail pour que pour monsieur parce que là il dit normal mais il gain pour assurer tout suivi, il a monitoré pour human system problème et d'autres complications qui te ka gagné, nous ka comprendre ça qu'a fait là. Et ça vous comprendre dans causer ça la vérité, pas gagné assez d'honneur pour sauver la vie moun parce que gon bonne liste moun potentiel capitaine.
C'est ça qui est là. Donc, vous êtes optimiste qu'avec réussite ça, qu'il y a à suivre, et que désormais, vous êtes capable de prendre l'autre quelque chose encore, mettre son monde depuis ça a marché. Parce que c'est ça. Nous d'accord que les styles non étape. Tu vois, parce que les films fait la vie, mais ils connaissent est-ce qu'il a toujours continué, est-ce qu'il a fait toute activité là avec ça. C'est point d'interrogation. C'est ça, vous comprenez. Qui l'autre complication qui va venir. C'est ça, vous comprenez. Et au total, il y a à peu près 100 650 personnes au niveau de national captant transplantation. 100 000 personnes. 17 là-dedans mourent chaque jour parce qu'il y a tant d'organes. Donc, c'est une véritable crise. OK? Et en fait, il y a des gens qui te surprennent, les autres étant des nouvelles là, ils te disent peut-être, est-ce que ça viole l'éthique qu'on y a pour apprendre quelque chose à tout le monde? Il y a grand pile de monde qui te surpris et ils te demandent est-ce que cette expérience, le monde ça va faire, est-ce qu'il y a une donnée qui montre que là bon? OK? Et l'y fait vraiment vrai. Et la grande question qu'on est là, est-ce qu'on est capable de faire ça avec, est-ce que la prêté, est-ce que le pape mourir après? C'est ça, bien vous suivez, OK? Et fond du mois d'octobre, tu as des docteurs qui t'ont testé transplantation génétique modifiée et de cochon au niveau de rein dans une fille dans New York qui était brain dead. Ça veut dire une femme qui était dans coma et tu as donné que tu dans coma et tu fais expérience là, OK? Et donc ça vous comprendre dans cause de transplantation en fait qui fait pour cœur cochon là. Dit encore bonnet pour nous crier au succès et dans mois qui vient là si monsieur est normal donc on est capable de crier victoire, OK? Donc quel que soit succès il dit quand même il y a tiré expérience de ça que cette fête là et donc voilà. Mais faut t'a dit causer transplantation journée jodi a et gros bonne bagaille au visé et yo même visé dans le futur pour que yo ta transplanter, en fait, remplacer organes yo par des séries de engins électroniques. OK, il y a beaucoup de ça qu'a parlé. Remplace des transplantations mécaniques et ça n'est les biomechanic device qui pour remplacer fonctionnement organes tant que kidney non, cœur non, pancréas non et ainsi de suite. Donc à ce moment de la durée et c'est ça il a parlé de une rencontre entre la machine et l'homme. C'est pas blessé dans la direction ça on compte aller mais il y a beaucoup arrivé là non. Côté où on doit venir là, même on fait en fait autre. Donc, c'est ça qu'on parle là, et non causé. Mais entre temps, et alternativement, on dit que ça nous tarie les gènes, modifications de génétique. Il y a un pile bagay qu'on fait en ce sens, mais il y a des gens qui dit il y a des gens qui pensent que sur le plan éthique, expérience, ça, et tout, c'est tout, il y a des gens qui essayent de régénérer des organes. Par contre, si on comprend tout là, à partir. Et prend des organes pour produire dans le laboratoire. Donc c'est tout avancé ça qu'a fait. Mais tout ceci, chaque monde a position, mais c'est pour sauver la vie quelque part. Peut-être après capable de l'autre critique, mais c'est mon yo regarder qui gens yo capable sauver la vie monde et c'est peut-être raison ça toute démarche ça a fait. En fait, nous devons annoncer une grande réalisation ça, à rappeler qu'il y a n'importe 40 000 transplants qui étaient faits pour 2001 et qui c'est un record. Et donc nous va souhaiter que et réussite et ça permettre que sauver plus de vie. Donc nous te voulons partager info ça avec vous.